Et bonjour, c'est Demon de Crap. On va se commenter un speedrun. Alors aujourd'hui, on est sur le world record qui est tombé ce soir. C'était sur la grotte, le world record de la grotte de Balafrèche, un donjon donc du premier acte de Diablo 4, qui est tombé donc en 6 minutes et 12 secondes. C'est un record qui a été établi par Demon de Crap et Elgato. Deux joueurs qui sont très présents sur la scène compétitive de speedrun sur Diablo 4. Alors on les voit hop rentrer donc dans la grotte de Balafrèche. La première section du niveau consiste à trouver trois chairs sacrificielles et à les détruire. Alors ils jouaient pendant la bêta. Ce qui a fait que les serveurs avec quelques instabilités vont souffrir de quelques lags, ce qui va pas les empêcher d'installer leur world record. Là, on voit que c'est Demon qui prend la tête, donc avec son druide qui est assez tanky. Il y a malheureusement des fois des ennemis qui peuvent spawn dans les passages. Là, on a eu un premier ours qui s'est posé, il l'a tapé un peu pour le faire reculer et passer. Là, il a réorienté l'ours pour pouvoir le contourner. Évidemment, le but n'est pas de tuer les adversaires. Alors, il va se retrouver bloqué dans un petit pack, il va être obligé de se battre et surtout d'essayer de rester en vie. C'est pour ça que c'est le druide qui passe en premier, qui est le tank. C'est pas lui qui va infliger la plupart du DPS. Ça, c'est le rôle qui va être joué par le nécromancien qui est joué par Elgato. Elgato qui a un build qui va être notamment pas mal tourné. Bon, alors sur l'invocation des adds, évidemment, ça c'est très important dans le build d'un nécromancien. Mais également sur le renvoi de damage, ce qui fait que en ne se mettant pas d'armure, bah, il va prendre énormément de damage et il va les retourner quasiment à 100%, je ne sais plus exactement le pourcentage exact, mais sur le boss qui va prendre cher, mais ça on le verra plus tard. Là pour le moment donc Demon vient de trouver une première chair sacrificielle. Alors il faut savoir que ils ont établi ce world record de 6 minutes 12 sur une découverte du donjon. Donc, ils ne savent pas où se trouvent les trois chairs sacrificielles. C'est pour ça que Demon est parti en explorateur. Là ils se sont un petit peu split tous les deux. Mais Demon n'a pas le DPS nécessaire pour vaincre la chair sacrificielle. C'est pour ça que c'est pas grave s'il décède. Le problème, le but, lui, c'est qu'il est allé cartographier, il a essayé de repérer ses chairs sacrificielles. Donc là, il en a repéré une. Pendant ce temps-là, Elgato en a repéré une deuxième qu'il est en train de détruire avec ses adds. Évidemment, là, on a le point de vue de Demon et pas celui de Elgato, donc on ne verra pas cette partie de la chose. Alors là, Demon, voilà, qui fait une erreur de routing. Il voit clairement qu'il y a du stuff qui a été droppé ici, donc ça signifie que Elgato est déjà passé par là, donc la chair ne se trouve visiblement pas par ici, mais certainement qu'Elgato avait repéré cette stèle, et n'importe quelle stèle, quand tu la prends, ça augmente ta vitesse de déplacement, alors plus ou moins selon le type de stèle, et donc j'imagine qu'il a pris ce chemin pour revenir rapidement et aider au DPS sur la chair sacrificielle, même si il y a peu de chances que, en fait, Elgato aurait pu le faire tout seul, et lui il aurait peut-être dû aller chercher plutôt les autres, la troisième chair sacrificielle, mais il lui reste un peu de move speed là-dessus. On voit que Demon utilise pas mal le combo de la transformation loup-garou du druide qui en fait lorsqu'on cible un ennemi qui n'est pas exactement à portée, bah, on va pouvoir exécuter un mini dash dessus. En fait il utilise ce combo pour le DPS, mais il peut aussi l'utiliser pour se déplacer rapidement. Là il a trouvé la troisième chair sacrificielle et il essaye de dégrossir un peu le terrain et puis de rester en vie surtout pour tout en, mais en fait ça, il attend complètement que Elgato arrive, et voilà, là on voit que la chair commence à tomber. Elgato est arrivé dans la zone et le DPS d'Elgato avec tous ses squelettes, ils sont tous les deux niveau 25, donc ils ont débloqué, Elgato a débloqué le titan de chair, le golem de chair. Donc la deuxième partie du donjon, alors une salle toute simple, il y a deux leviers à activer, mais ils sont protégés par ces piliers qui génèrent des ondes de choc, et il y a un certain nombre d'ennemis. Bon là ils ont décidé d'affronter les ennemis, visiblement c'était plus simple pour eux, parce que il y a des ennemis qui
qui peuvent choquer les personnages, leur faire du crowd control. Et si tu es en train d'essayer d'interagir avec le levier et que tu te fais crowd control, et ben tu reprends ton timer à zéro. Donc ils ont trouvé ça plus clean. On a vu que par contre c'est Daemon qui a activé les deux leviers, parce qu'il faut savoir que Elgato a un souci, c'est qu'en fait il est quasi aveugle. En fait il est guidé au son par Daemon. Daemon qui a aussitôt foncé vers cette stèle dès qu'il l'a vu pour profiter du move speed, ce qui va lui permettre de tracer dans ce couloir et de scouter pour essayer de trouver la barrière de glace qui empêche l'accès au boss. Là il est arrivé dans un cul-de-sac, il essaye de s'en extraire, il aurait pu voir un peu plus loin peut-être que la zone était un cul-de-sac. Il s'approche, voilà, la barrière de glace. Alors, petit bug pendant la bêta sur la barrière de glace, on ne pouvait pas spammer les attaques comme sur n'importe quel ennemi, donc c'est pour ça qu'il est obligé de faire ces petits allers-retours, parce que les coups sont très très lents. C'est comme ça qu'il permet d'augmenter au maximum le DPS sur la barrière de glace. Et les voilà donc contre l'abomination Khazra, le boss de ce donjon de la grotte de Balafrèche. Mais le problème c'est que Daemon y est arrivé, mais Elgato, lui, n'a pas la facilité de Daemon pour se glisser à travers les hordes ennemies. Donc voilà, il a mis un petit peu de temps, mais le voilà arrivé. Il commence par balancer sa zone de dégâts, et là vous allez voir que la vie va commencer à fondre. Voilà, dès que c'est Elgato qui a le focus, là en fait il se fait pourrir la gueule par le boss, et il spam en fait des potions en boucle. Et sauf que le boss, au fur et à mesure, il drop lui-même des potions, et pendant ce temps-là Elgato renvoie tous les dégâts, et c'est le time 6 minutes 12 world record établi par ces deux joueurs. C'est très bien. En plus, ce qui est très bien joué, c'est qu'ils ont établi ce world record à la dernière minute de la bêta, ce qui fait que personne ne peut plus leur prendre ce world record jusqu'à la sortie du jeu le 6 juin. Et le truc, c'est que si jamais d'ici la sortie le donjon est rework, et ben ça sera une catégorie différente de speedrun. Ça sera et eux resteront world record ad vitam aeternam sur la version bêta, et personne ne pourra jamais le leur retirer. Bien sûr, ce world record n'est reconnu par aucune instance, parce que c'est un speedrun qui n'existe pas. Mais voilà, j'avais envie de faire ce petit commentaire, et si vous n'êtes pas content, tant pis pour vos gueules.